Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous ai filmé toutes mes rencontres un petit peu spéciales à Walt Disney World, de personnages qu'on ne rencontre pas à Disneyland Paris. Je sais que vous êtes adeptes des personnages Disney, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Et j'espère que celle-ci vous plaira. Donc la première, c'est Ariel en tenue de sirène. On y va. Bon, changement total de décor à la Pixie Army, mais je voulais parler de cette photo location qui est assez spéciale et unique à Walt Disney World. Donc en fait c'est une attraction où vous avez un spectacle avec Belle, la Belle et la Bête, et ensuite vous pouvez justement la rencontrer, prendre des photos avec elle. Il suffit juste de demander à faire une photo avec, et moi je suis super contente parce que c'est vraiment un endroit qui est très spécial. On a la lumière qui est derrière, qui a toute une ambiance, et en plus de ça elle nous donne un petit marque-page à la fin, donc c'est toujours une bonne. Oh, j'adore! Genre après la rencontre, vous avez les chevaliers qui parlent et qui toussent. Oh, sorry, hein. Animal Kingdom, il y a plusieurs personnages rares que vous pouvez rencontrer. Là, je suis à la photo location là-haut, où il y a donc Russell. Il n'y a pas d'où, bizarrement. Et j'adore ce personnage. Alors, il ne parle pas, mais sachez également qu'à Walt Disney World, vous avez des photos locations thématisées aux couleurs des personnages, et les personnages sont marqués sur des plans. On a des horaires qui sont beaucoup plus étendus aussi, donc c'est vraiment cool de pouvoir en rencontrer autant. La photo location de Pocahontas est un petit peu cachée, même si vous l'avez sur l'application de Walt Disney World, elle se trouve juste à côté de l'entrée de Dinoland. Et donc Meet Pocahontas est ici, et des fois il y a d'autres personnages avec elle. Nous voici de retour à Disney Hollywood Studios et je vous emmène au Celebrity Spotlight où on peut rencontrer le personnage d'Olaf. Donc là je suis devant Toy Story Midway Mania à Hollywood Studios. On a Cruz Ramirez qui s'anime et je trouve que cette animation est top. Hollywood Studios, c'est vraiment l'endroit parfait si vous voulez rencontrer des personnages de l'univers Marvel, Star Wars ou Disney Channel. Et là du coup je vais rencontrer les personnages de Gardiens de la Galaxie, donc Groot et Peter Quill. Let's go. Donc dans cet espace précis, vous pouvez rencontrer différents personnages liés à l'univers de Star Wars. Donc il y a différentes activités, comme vous pouvez voir le Launch Bay Theater. Rencontrer BB-8, Chewbacca ou Kylo Ren. Et là pour le coup les temps d'attente sont assez raisonnables et c'est bien parce que ce sont des personnages là encore qu'on n'a pas à Disneyland Paris. Nous sommes actuellement à Epcot, la Pixie Army, et je vous emmène au Character Spot qui est un endroit où il y a plein de personnages très très rares. On peut rencontrer Baymax et également Joie et Tristesse de Vice Versa, et j'ai trop hâte puisque Joie et Tristesse je ne les ai jamais rencontrés. Lily.
Future World, donc là c'est la partie dans laquelle nous nous trouvons avec toutes les attractions un petit peu futuristes, etc. Et d'un autre côté, nous avons World Showcase avec des pavillons des différents coins du monde où vous avez également tout un tas de personnages plus ou moins rares qui sont disposés en fonction des pays. Et c'est un très bon moyen, je pense, de rencontrer plein de personnages. C'est vraiment un parc qui est très adapté pour ça. Donc si vous aimez les personnages et les personnages rares de façon générale, Epcot est fait pour vous. Oh, beautiful! Oh, oh my goodness, her socks! Her socks are Joy socks! She does! And who's in... And oh, it's pretty! And now what do you have in your hair? What kind of bow is that? Oh, it's blue, just like Sadness! Donc là, je pars rencontrer Belle en tenue de villageoise à Epcot. Il faut savoir que c'est le seul endroit où à Disney World vous pouvez la rencontrer. Elle est assez rare puisqu'à Disneyland Paris, personnellement, je ne l'ai jamais vue. Bon, je suis pas sûre que vous ayez entendu du coup, puisque c'est pas la cast member qui a filmé, mais une personne qui était juste derrière moi. Elle m'a demandé d'où je venais, donc je lui ai dit que je venais de France. Elle m'a dit que son royaume n'était pas très loin. Je lui ai dit que j'avais vu la bête. Elle m'a demandé si j'avais goûté The Grey Stuff. Je lui ai répondu que c'était délicieux. Et elle m'a parlé de toutes ses belles aventures et tout. C'était vraiment très beau. C'était vraiment un très joli moment. J'adore rencontrer Belle, de toute façon, vous le savez, c'est l'une de mes princesses préférées, alors forcément. Dans chaque pavillon, vous pouvez donc rencontrer des personnages rares. Et là, je me trouve actuellement sous le pavillon chinois, donc à l'intérieur du temple, puisqu'il y a Mulan et sa photo location. Il faut savoir que sa photo location a changé de place, puisqu'elle était auparavant à l'extérieur. Et si jamais vous voulez connaître les horaires de tous les personnages Disney qui sont présents à Walt Disney World et leurs horaires, vous avez tout sur l'application. Ça vous permet de ne pas attendre pour rien et de voir un petit peu ce que vous voulez voir, de ce que vous ne voulez pas voir. Oh, hello! It's Mulan here. You're pretty far away from China, but hopefully you'll be able to stop by. Maybe have a few dumplings for me. Hello! Hello, princess! Hello! I like this in your hair. It looks like a cute little bow. Oh, it is a bow! Oh, yeah! Half of it. Oh, that is quite wonderful. Come and join. Well, hello everyone. I'm Snow White, here in the Wishing Well, of course. Make sure you come and visit very soon. I might even bake a gooseberry pie for all of us to share. Goodbye, everyone! On se trouve actuellement à Magic Kingdom pour rencontrer la princesse Elena d'Avalon. Il faut savoir qu'elles ont des photos location qui sont attitrées, un peu comme chez nous, avec le pavillon des princesses, à part que là elles sont présentées par deux, donc soit Cendrillon et Elena d'Avalon ensemble, soit Réponse et Tiana ensemble. Et il faut savoir que quand j'étais venue en 2016, il y avait Anna et Elsa ensemble, mais à présent elles sont au pavillon norvégien. J'ai un fast-pass pour aller rencontrer Tiana et Réponse et je vous emmène avec moi dans cette nouvelle rencontre. Perfect. Perfect.
friends I can see you anytime, okay? Oh, I can't wait to tell all my friends about you. Bon bah du coup je regrette pas d'avoir rencontré Clochette, elle était trop mignonne. I was hoping you'd be here. Bonjour Mickey. I'm from France. Really? France? Yes. Why? How do you say hello in French? Bonjour. Bonjour. That's fine. Hey, I know. What? Let's all try it. Okay. Ready? Yes. Bonjour. Bonjour. Okay. Great job, everybody. See, now we're all friends. So when we come to your country, we're all going to come visit you. Yeah, perfectly. Say, would you mind if I got a picture with you? Yeah. Hot dog. Those are some pretty great ears you got there, pal. Yeah, I think I can today. Wow, I love your outfit, pal. Thank you. You're welcome. Okay, we're right here. Oh, Mickey. Oh, arms out like we're flying. Jeez. Thank you very much, great pal. You're welcome. Such a pleasure. Gosh, it was good to see you. Thank you. Comment vous dire que Mickey c'est l'homme de ma vie? Alors d'abord il m'a dit bonjour comme il avait fait la première fois en 2016, mais surtout il m'a dit qu'il adorait ma tenue, qu'il aimait mon look Mickey et tout, mon look Peter Pan. Je suis désolée, j'en perds mes mots, je suis trop émue. Qu'est-ce que j'aime ce personnage, mon dieu. Alors il faut savoir qu'à Disneyland Paris, il est largement possible de rencontrer Anastasie et Javotte en compagnie de Lady Trimen. J'ai jamais eu la chance de pouvoir prendre des photos avec elles, mais elles sont assez trouvables à la période d'Halloween uniquement, et elles sont dans des tenues qui sont complètement différentes, alors qu'ici au Magic Kingdom, elles sont quasiment là tous les jours. Ok, maybe fly. Did I do it? Am I flying? No. Et là, je vais aller rencontrer Mérida. Pas un personnage hyper rare, mais sa photo location ici est trop trop cool et il faut que je vous montre ça à tout prix. Regardez, il y a un écureuil. Il est trop mignon. Mignon parce que les gens devant, alors la petite fille s'appelle Mérida et la dame va faire signer ses oreilles par Mérida. C'est trop fou. Voici ma Pixie Army pour la vidéo avec tous les personnages un peu rares que j'ai pu rencontrer à Walt Disney World. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le personnage le plus rare que vous avez rencontré, et dans tout ce que j'ai pu voir sur mon voyage, lequel vous avez préféré et pourquoi. N'hésitez pas à me dire tout ça, j'ai hâte de connaître vos réponses. N'hésitez pas également à mettre un petit like, autant pour m'encourager que pour me montrer que vous aimez les vidéos personnages. Normalement vous aimez bien ça. Et n'hésitez pas à me dire également d'ailleurs si une vidéo du même style vous plairait, genre un retraçage de tous les personnages rares que j'ai pu rencontrer, ou que je fasse ça si un jour je vais dans un autre parc, ou carrément à Disneyland Paris, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, la Pixie Army. Je vous aime plus que tout. Bisous, bisous, bisous.